Ce spectacle-là, c'est la deuxième année qu'on le joue à Avignon. Et cette année, ça s'est très bien passé pour nous. Le public était là, les professionnels aussi, puisqu'on le sait bien, on a besoin de leur présence à Avignon. Non, le spectacle a reçu un très très bel accueil. Ce qui nous a été dit assez fréquemment, on nous a remercié pour la poésie du spectacle, pour le temps, un espèce de temps suspendu qui est offert. Ouais, voilà. Et on a senti que le public, petits et grands, était touché et captivé par l'univers proposé. À sur la voie lactée, où s'échouer dans un panier. Au clair de lune, je veux aller. Comédienne, metteur en scène et danseuse, et moi je suis comédien et musicien. La boîte mélodique, c'est l'histoire d'un musicien et d'une danseuse qui s'évadent d'une boîte à musique. Isadora la danseuse, Jean-Sébastien le musicien. Et c'est l'histoire d'une quête initiatique. Isadora rencontre plusieurs personnages avec un travail sur le langage, sur la perception du monde et un apprentissage de la liberté à travers son voyage. Une histoire de découverte de la liberté par l'émancipation aussi. Ici, on est là. Et là, on est ici aussi. Ceci dit, même si là, ça se le dit, si là, lui, il se là. Et d'ici là, on est là. On est là. C'est un texte qu'on a écrit ensemble. Et du coup, à chaque fois, oui, sur chaque scène, sur chaque rencontre, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'elle va découvrir ou comprendre, le personnage de Isadora. Et du coup, c'est vraiment voilà, dans cette réflexion-là qu'on a avancé. En fait, à la base, on voulait un spectacle, on cherchait un spectacle. On a d'abord cherché un texte qui aurait déjà été édité. Un texte écrit, on voulait jouer ensemble tous les deux. Ouais. On a cherché, on n'a pas trouvé ce qui correspondait à nos envies, parce qu'on voulait jouer ensemble, on voulait mettre de la musique, de la danse, de la pole dance. Oui, et ça c'est un peu moderne pour les enfants aussi. Eh bien oui. Et du coup, c'est partant de toutes ces envies-là, et n'ayant pas trouvé, on s'est dit, mais en fait, on va l'écrire, le texte. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça a été à la fois un plaisir, mais ça a été des fois confrontant parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes besoins. Un musicien, toi en tant que musicien en tout cas, tu parleras mieux de tes besoins. Ouais, en musique, on a besoin d'une rigueur, d'une précision qui n'est pas celle du comédien. Ou du danseur. Ouais, du danseur. D'un ajustement peut-être. Oui, c'est-à-dire que sur le son. C'est-à-dire que dans le travail théâtral ou travail chorégraphique, on cherche d'abord, on se perd dans le mouvement, on explore, on essaye, on emmagasine pas mal de matière. Mm-hmm. Et ensuite, on élague, on garde, on jette. Là où la musique, finalement, demande d'être plus précis tout de suite, c'est l'impression. Et alors, ces deux choses-là ont dû se mélanger. Y a pas de main. Pif paf, tu fais l'autruche. L'autruche ? Ouais, l'autruche. On a été accompagné dans le travail chorégraphique par Maxime Jauré. Oui. Qui est un grand danseur, pole danseur, puisque donc effectivement dans la boîte à la mélodique, il est question de pole dance. C'est une discipline que je pratique depuis quelques années et j'avais très très envie qu'elle puisse se déployer dans un spectacle jeune public.
Parce que c'est une discipline qui est peu connue du grand public, qui est souvent estampillée par rapport à son origine. Et j'avais envie qu'on puisse la découvrir sous d'autres aspects. Et dans la boîte à mélodie, la pole dance est vraiment un art aérien qui s'inspire de mouvements acrobatiques et de mouvements issus de la danse contemporaine. Avignon, c'est un tremplin. Il y a des programmateurs. Il y a déjà une tournée de prévue d'ici la fin de l'année avec des prochaines dates. Oui, oui, bien sûr. On a des dates déjà. En Ile-de-France, en Bourgogne, ouais. On a déjà des dates prévues qui sont finalement issues du premier Avignon que nous avions fait. Mmh. Et puis bah, là... avec les pros qui sont venus nous rendre visite, on a bon espoir de continuer de construire une belle tournée. Mais alors du coup, qui sera tac, 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 on est sans doute là sur de la construction 2024, 25, ouais. 26, vous voyez. Okay. Tout le temps, de toute façon, en diffusion artistique, on est toujours sur du très, très lointain, finalement. Ça a un coût, et si toute cette aventure se transforme en contrat... Bah après, le jeu en vaut la chandelle, c'est ça, ouais, l'expression, c'est bien ça. Ouais. Donc on vous retrouve tous les deux jusqu'au 29 juillet. Tout à fait. Donc la boîte à mélodie à 14h55 tous les jours jusqu'au 28 juillet. Oui, 28. Oui, voilà. On arrête un jour avant ici à l'espace Alia. Avec Alia. Une relâche le mercredi 26. Merci. 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 On tourne la ritournelle et tous les lendemains jouons notre refrain. Partons de faire la lune, Vénus ou bien Neptune. La vie n'attend pas, elle nous tend les bras.